quelle sera l'ampleur de l'acte 5 pour les Gilets jaunes. Des représentants du mouvement ont appelé au rassemblement ce samedi en France, malgré les annonces d'Emmanuel Macron et sa demande de renoncer à manifester après l'attaque de Strasbourg. Mardi, le chef de l'État a dévoilé une série de mesures, notamment pour augmenter le revenu des personnes au SMIC et exonérer une partie des retraités de la hausse de la CSG, mais pas assez pour ce gilet jaune. Justement, nous souhaitons continuer la mobilisation pour une raison très simple, c'est que nous opposons justement à la manière dont l'argent public est dépensé, les décisions qui sont prises. Et nous pensons qu'il y a des milliards et des centaines de milliards à trouver, justement, faire des économies importantes, simplement en taxant là où il faut taxer et arrêter de culpabiliser les petits contribuables. Après les heurts en marge des manifestations et les pillages, d'autres affichent au contraire une certaine lassitude. Bah oui, enfin il y a un moment c'est râler pour râler si vous voulez. C'est ça qui me fait peur, j'ai l'impression qu'on a ouvert le pot, puis maintenant ils veulent plus rentrer dedans, c'est vraiment de la colère à l'état pur. Puis dire Macron démission, faut arrêter, et si c'est pas Macron c'est qui? C'est Marine Le Pen, enfin... Si le scénario de cette journée de mobilisation reste flou, un important dispositif de sécurité doit être déployé, le même que la semaine passée à Paris avec la réquisition des blindés de la gendarmerie. D'après le ministère de l'Intérieur, 136 000 personnes ont défilé samedi dernier dans l'ensemble de l'Hexagone.